Bonjour. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être là pour la rencontre avec Charlotte Soudary et Koudiali Poulain autour de l'écoféminisme. C'est une rencontre qu'on voulait faire depuis un certain temps. Le livre a été sorti il y a un an, en octobre 2021. Et pour des raisons diverses, et notamment que c'était une année bien chargée l'année dernière et cette année aussi autour de la politique, on n'avait pas tellement eu l'occasion. Moi, je suis personnellement très contente de le faire maintenant, quand le plus serein. On était un peu pressé par les temps parce que, comme vous voyez, Charlotte va avoir bientôt un bébé et que probablement on ne va pas avoir ces soirées aussi libres que maintenant, mais peut-être que oui. Et quand on a découvert son livre, voilà, elle aborde nombreuses questions, mais en parlant, on s'est dit, bon, mais comment l'orienter de façon que ça soit pertinent ici à Carignan, parce que des présentations, tu en as fait de nombreuses et partout en France. C'est là qu'est venue l'idée peut-être de faire un ancrage plus proche de ce qui sont nos caractéristiques, notre spécialité Amérique latine. Et c'est pour cela que je sollicitais Julien. Ma chère Julia, qui nous accompagne depuis l'année dernière aussi, à la même période, à l'automne, avec un stage et un cycle de littérature et féminisme qui est devenu grand et qu'on renouvelle cette année encore avec deux séances, mercredi prochain et mercredi 7 décembre. Et donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va vous laisser toutes les deux discuter des sujets qui abordent les livres et pouvoir réfléchir ensemble, parce que l'idée c'est que ça soit aussi avec vous sur quel thème ou quel élément serait pertinent, comment il se voit aussi depuis une autre perspective, celle du sud du monde. Julia, est-ce que je te laisse commencer? Tu es d'accord, hein, Charlotte? Ouais. Bon bah, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai lu donc ce livre, Le féminisme pour sauver la planète, avec beaucoup de curiosité. Je tiens à dire que je m'y connais plus en mouvement féministe et en Amérique latine qu'en écologie, très clairement. Mais c'est sans doute un sujet qui m'interroge parce qu'il pose deux questions assez fondamentales qui, je pense, traversent la réflexion de cet essai. D'une part, celle de comment faire des espaces institutionnels qui sont constitués avant ou en deçà du mouvement féministe actuel, des espaces féministes, comment intégrer pleinement le féminisme à ces espaces. Et d'une autre part, la question qui est un peu le point de départ, de la convergence ou la conciliation entre féminisme et écologie. Et ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, c'est de bah, ramener, d'ancrer un peu ces débats dans l'Amérique latine contemporaine. Pour preuve du fait que je me connais moins en écologie, je pars d'une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Je lisais le livre de Charlotte Soulary, en prenant l'avion, mais à coup de pas, lorsque je montais dans l'avion et lorsque j'avançais dans le couloir en cherchant ma rangée, le livre dans la main, un homme français, la cinquantaine, m'a interpellée en marmonnant le féminisme pour sauver la planète. Je l'ai regardé d'un air curieux, il m'a dit: c'est le titre du bouquin. Je lui ai répondu effectivement. Et il a poursuivi: vous le croyez, vous? Parce que moi, je ne le crois pas. Ah non, pas du tout. Ce monsieur n'a pas remis en question l'idée qu'il y a une planète à sauver, mais bien le fait que le féminisme soit une solution, voire même un outil pour cela. Et ça en dit long, je pense, d'un certain état d'esprit
dont le livre fait à juste titre le constat. Mais lorsque j'ai atterri et que j'ai raconté cet échange à des copains sud-américains, en soulignant qu'il y avait ceci de contradictoire ou de marrant presque qu'on se trouvait précisément dans un avion, on m'a répondu, soit, mais qu'est-ce qu'on a à faire du fait qu'on prenne l'avion quand on a un taux d'inflation à 35%? Deuxième constat, donc, celui-ci de ma part. L'écologie ne représente pas souvent une priorité dans les préoccupations presque quotidiennes des Latino-Américains et des Latino-Américaines. Un article que j'ai trouvé cette semaine de la revue Nueva Sociedad, une revue de référence pour la politique latino-américaine de 2020, s'intitule La esperanza de la democracia es verde. L'espoir de la démocratie est vert. Sauf que dans ce cas, le vert renvoie au mouvement féministe argentin et il n'y a pas un mot sur l'écologie dans l'article. Donc il y a, je pense, un problème fondamental dans les liens entre écologie et féminisme que votre livre pose, et un problème supplémentaire qui se pose lorsqu'on réfléchit à l'Amérique latine, et c'est que dans beaucoup de sociétés latino-américaines, le souci écologique qui traverserait la pensée et les préoccupations des populations ne va pas de soi. Comment donc aborder la relation qui se joue en Europe entre écologie et féminisme lorsque l'on veut inclure l'Amérique latine dans le débat? Je pense qu'on peut ébaucher trois questions comme point de départ, qui peuvent nous mener dans trois directions différentes que j'aimerais bien aborder avec vous. D'une part, ou premièrement, est-ce que l'Europe, et plus particulièrement la France, parce que c'est surtout de la France dont vous parlez, est-ce qu'elle peut être un modèle pour une politique féministe en Amérique latine? Et dans quelle mesure est-ce que cela représente un risque de éco-impérialisme, par exemple? Deuxièmement, pour aller dans une autre ligne, donc, est-ce que les situations en Europe et en Amérique latine sont incommensurables au point où on ne peut pas penser un écoféminisme planétaire? Et troisièmement, est-ce que l'Amérique latine peut être, au contraire, un prisme, sinon un laboratoire, pour penser des liens entre écologie et féminisme en Europe, s'agissant d'un espace où il n'y a pas aujourd'hui un phénomène de écologie politique tel que qu'on le voit en Europe. Donc, pour entrer dans le sujet de ma première question, comment est-ce qu'on peut penser l'idée d'un modèle européen d'écoféminisme ou voire même d'écologie politique pour l'Amérique latine, notamment sous le prisme du rapport entre écologie et inégalité sociale? Bonsoir et merci beaucoup pour cette introduction qui est super intéressante pour moi qui ne parlant pas espagnol et encore moins portugais, j'ai quand même une vraie lacune sur des écrits féministes d'Amérique latine qui et écoféministes qui existent mais que auxquels j'ai pas trop accès. Ils sont pas forcément bien traduits traduits en plus, mais ça vous connaissez bien le sujet vous aussi qui êtes Ouais. Carigno. De la traduction. Pour le coup, j'ai beaucoup lu en anglais, mais voilà. Bref. Et de mon côté, mon approche de l'Amérique latine sur l'écoféminisme, c'est le sujet de l'Amazonie. C'est le sujet, pour le coup, notamment de défenseuses des droits humains et de l'environnement qui se battent notamment en Amazonie pour sauver leur propre lieu de vie et qui considèrent cette forêt qui est décisive pour l'avenir de l'ensemble de la planète comme étant presque une extension de leur corps. Enfin, c'est ça l'écoféminisme très profondément, c'est de considérer que la nature et l'humain et nos corps, c'est la même chose finalement. Et donc ce lien intrinsèque, il est présent.
Et du coup, moi, je pense que sur l'écoféminisme, on a beaucoup plus à apprendre hors de l'Europe que de l'Europe. Malheureusement, l'écoféminisme s'est assez peu développé en fait en Europe. Il s'est développé en Asie, sur le continent américain, en Afrique. Mais en Europe, on a loupé le coche à un moment donné, et c'est finalement assez récemment que c'est revenu. Pour ma part, c'est en 2019, quand j'ai commencé à écrire ce livre, il n'y avait encore rien, hein. Enfin, je me rappelle de mes recherches Google à l'époque. Il n'y avait rien du tout qui était dit ou écrit sur le sujet. Et donc, le lien entre écologie et féminisme, il n'était pas forcément fait en France par beaucoup de monde. En fait, on a soi-disant inventé le terme, enfin, ouais, on a inventé le terme avec Françoise de Beaune dans les années 70, et puis après, il y a eu ce passage à vide très long. Et du coup, aujourd'hui, le modèle européen ou le modèle français, si on prend du côté de l'activisme, du côté de la théorie écoféministe, il y a peut-être des choses, mais si on prend du côté du modèle de c'est quoi l'écologie en Europe, c'est malheureusement pas un bon modèle, à mon sens, parce que c'est un modèle qui va pas au fond des choses et justement qui n'a pas pris la mesure de ce que le féminisme doit lui apporter. D'un regard complet. Et c'est intéressant ce que disait donc la personne qui parle de l'inflation, qui vous a parlé de l'inflation, parce que finalement, on a toujours cette difficulté. L'écologie, c'est un projet global. Pour moi, c'est ce qui doit remplacer le capitalisme. Enfin, c'est un projet de société, un nouveau logiciel qui doit remplacer le capitalisme. Et ma préoccupation, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que faut absolument que ce logiciel-là intègre bien les principes de base du féminisme, sinon, à mon avis, ça ne marchera pas, quoi. Et parce que c'est global, que c'est une analyse du monde qui est notamment fondée sur le fait que enfin, la production est freinée, l'appropriation des ressources. Et du coup, la logique consumériste dans laquelle, enfin, sur laquelle se fonde le capitalisme ne peuvent mener qu'à la destruction, in fine, de la planète. Et donc, des humains, enfin, surtout en fait des humains qui sont dessus, parce que la planète, je pense qu'elle va. Enfin voilà, je sais que j'ai aussi été critiquée pour le titre, pour la partie Sauver la planète, parce que c'est hyper simpliste, on dit sauver la planète, mais en fait, on parle de se sauver nous-mêmes. Hein. Enfin, c'est un combat proprement humaniste, en fait, l'écologie, parce que c'est sauver notre peau, en fait, là, dont on parle. La planète continuera sans les humains, sans la vie sur Terre, probablement, sauf si on est percuté par une astéroïde, mais c'est autre chose, ça explose, quoi. Bref, c'est de la vie sur Terre dont on parle, et l'écologie, c'est pas un combat, finalement. Avant tout pour les oiseaux, pour les plantes, etc. C'est pour nous-mêmes. Et parce que nous-mêmes avons compris que nous dépendions des petits oiseaux, des plantes, et que notre destin était relié. Et bah, pour moi, la cause de. Enfin, le moment où on déraille, c'est ce moment capitaliste et patriarcal. Parce que les deux sont foncièrement reliés. Le capitalisme se nourrit du patriarcat, de la domination des femmes. Et du coup, à partir de là, pour revenir sur l'inflation. L'inflation galopante dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une conséquence d'un capitalisme néolibéral qui nous a menés à ne pas maîtriser les prix de l'énergie, à ne pas être en capacité de contrôler ce qui nous arrive dans notre propre pays ou sur le continent européen, parce qu'on a lâché l'affaire. Finalement, on a organisé notre impuissance collective sur plein de choses, enfin, sur le plan économique. Et les conséquences, elles vont être désastreuses pour tout le monde, et en premier lieu pour les femmes, parce que les femmes sont majoritaires parmi les populations les plus pauvres de la planète. Donc c'est pareil, enfin, on ne peut pas avoir qu'une approche d'inégalité sociale, il faut aussi avoir une approche d'inégalité de genre quand on parle d'économie. Et c'est sans parler évidemment du fait que les femmes compensent une bonne partie des activités qui sont pas organisées par les services publics, des activités qui sont privatisées.
très mal rémunérées et que ce sont principalement des femmes qui ont des métiers dans les travail reproductif, etc. Donc tout ça qui mène à une pauvreté plus grande aujourd'hui, enfin des chiffres qui mènent à une pauvreté plus grande des femmes sur la planète. Donc en fait, à la fois l'écologie est un projet global qui intègre, qui est un projet profondément social, enfin de société, de lutte contre les inégalités sociales, et aussi de lutte contre les inégalités de genre, sans quoi ça ne peut pas fonctionner, quoi, tout simplement. Mais je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que je vous demande de répondre alors? C'est ça. Oui, non, mais par rapport à ce que vous disiez, effectivement, par exemple, le mouvement... Ah oui, sur l'impérialisme. J'y reviendrai après. Okay. le mouvement Ni Una Menos a été... Le mouvement Ni Una Menos a été créé en 2015 en Argentine. Enfin, c'était d'abord un cycle de lecture, c'est ensuite devenu une mobilisation massive au mois de juin 2015 face à l'alarmante recrudescence des féminicides dans le pays. Cette mobilisation a eu lieu depuis tous les ans, au mois de juin, et en 2018, le slogan de la mobilisation était « Ni una menos, non au pacte de Macri avec le FMI », en essayant justement d'intégrer la question de l'économie et des politiques économiques du gouvernement de l'époque à la pensée féministe, ce qui a fait l'objet d'immenses débats par ailleurs dans les rangs du féminisme qui se voulait justement un mouvement transversal et transpartisan. C'est aussi une question que je me pose. En Amérique latine, aujourd'hui, il n'y a pas de grand parti écologiste. Il n'y a pas une vraie branche institutionnelle, pour ainsi dire, dans la politique. Il y a d'ailleurs peu de partis verts. Ils sont souvent méconnus ou ils font des scores extrêmement bas. Je vois que j'ai quelques chiffres, mais en Uruguay, on était à 1,38% en 2019, au Paraguay 3% en 2018, au Brésil en dessous de 1%. Et sur la question des partis, je me demande dans quelle mesure on peut souhaiter la création de partis verts, de partis écologistes en Amérique latine pour penser ces questions. Dans quelle mesure le féminisme peut être un phénomène transpartisan et est-ce que c'est un danger pour la lutte spécifiquement féministe de se voir associé à un parti en particulier et est-ce qu'on souhaiterait éventuellement la création d'un parti féministe? Alors, pour moi, il n'y a pas non plus de féminisme, il n'y a pas une façon de faire du féminisme, enfin de développer des politiques féministes. Mais c'est plutôt une affaire de degré pour moi. Donc forcément, moi j'ai ma préférence qui est un féminisme qui va au bout des choses. À partir du moment où on identifie un problème. On va jusqu'au bout du problème, on va jusqu'au bout et on trouve des solutions. Et du coup, il y a un féminisme libéral qui s'accommode très bien aujourd'hui d'une situation du capitalisme, en fait, qui va se battre. Donc, c'est ce féminisme qu'on connaît aujourd'hui au gouvernement en France. C'est le féminisme de Marlène Schiappa, qui a été la plus grande défenseuse ces dernières années, qui consiste à se battre pour plus de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. Et à considérer que, vous savez, c'est les premiers de cordée, quoi. Donc c'est pareil pour les femmes. Si on a des femmes à la tête, tout va suivre. Moi, je crois dans l'inverse, en fait. Je crois plutôt dans une révolution par la base des façons d'envisager les rôles respectifs des personnes, enfin, des femmes et des hommes, des personnes. Et surtout un féminisme qui défend aussi une vraie liberté de choix individuelle. Quand on parle d'égalité, en fait, on parle avant tout de liberté de choisir et d'élargir le champ de nos libertés.
c'est-à-dire de pouvoir choisir un métier, de pouvoir accéder à un métier à temps plein, ce qui n'est pas du tout le cas de plein plein de femmes qui sont aujourd'hui dans des temps partiels subis, de pouvoir accéder à des métiers, si je reste sur les questions économiques, enfin encore de travail, d'accéder à des métiers qui ne sont pas considérés comme uniquement masculins, etc., etc. Et idem, en fait, sur tous les sujets. Quand on parle de violence, on parle de l'ensemble des violences. Quand on parle des questions liées, par exemple, au corps des femmes, on se bat à la fois pour l'avortement et contre l'infertilité, par exemple, ou pour permettre, en fait, à l'ensemble des situations de vie d'être librement choisies. Enfin, bref. Donc, il y a un féminisme libéral, il y a un féminisme un peu plus qui est historiquement en France appelé matérialiste, dans lequel moi je me reconnais plus et qui, je pense, est plus proche de ce que l'écoféminisme apporte vraiment dans tous nos débats, c'est-à-dire voilà, un vrai changement de paradigme. L'écoféminisme va même beaucoup plus loin que toutes les, tous, les, tous les autres courants du féminisme. Hein, en intégrant vraiment toutes ces luttes d'émancipation individuelle dans une vraie structure finalement collective. Et du coup, à partir de là, non, je ne pense pas qu'un parti féministe pourrait changer. Enfin, pourrait changer les choses, c'est-à-dire, je pense par contre que des partis écologistes profondément féministes sont en mesure de sauver la planète. Ça, oui, c'est ce que j'essaye de dire dans tout le livre, donc forcément, je vais pas forcément pouvoir tout développer là, mais je pense qu'à partir du moment où on arrive à aller au fond des problèmes, c'est-à-dire à identifier qu'il y a à la fois un problème. Donc, sur lequel s'est construit le capitalisme d'appropriation des ressources, d'appropriation donc de la nature, par l'appropriation aussi de la force de travail des hommes comme des femmes, et en n'oubliant pas que les femmes aussi, c'est-à-dire un travail reproductif gratuit, notamment qui est effectué aujourd'hui par les femmes, très majoritairement. Et bon, enfin, je ne sais pas si on va en parler après, mais en fait, aujourd'hui, les femmes font majoritairement ce travail totalement invisible de réparation. Quand on a un système économique qui est fondé sur la destruction, sur l'accaparement de ressources et leur destruction, en fait, à terme très, très court terme, de destruction de la biodiversité, de destruction aussi bah, de notre qualité de vie. Hein. Enfin, on a appauvri nos vies d'une façon incroyable. Il y a à côté de ça des métiers de réparation, qu'on appelle souvent les métiers du care, des métiers de protection, des métiers qui permettent en fait finalement à l'espèce humaine de se régénérer, et pas que à l'espèce humaine, à l'ensemble du vivant de se régénérer. Et bien, tous ces métiers-là sont très majoritairement féminins. Donc, quand on... une vraie politique qui changerait les choses, c'est une politique qui comprend l'ensemble de ces enjeux et qui trouve des solutions face à ça. Et donc, ce n'est pas uniquement de l'écologie, si elle était antiféministe, certainement pas. Ce n'est pas non plus de l'écologie, si elle était autoritaire, certainement pas non plus. Parce qu'il y a aussi hein, des tentations autoritaires. Vous entendez parfois l'extrême droite se dire écolo, donc ça peut arriver, malheureusement. Et ce n'est pas non plus une écologie qui irait fouler du pied, par exemple, le droit des femmes à disposer de leur corps. Je suis un peu énervée aujourd'hui parce qu'il y a encore une tribune qui a été publiée dans Le Monde sur de démographie responsable qui dit qu'en gros, le contrôle de naissance peut contribuer à réduire le changement climatique. Et en fait, juste en 2022, en France, donc moi, je pensais que ça avait un peu avancé, ces débats. Apparemment, non. On n'a toujours pas. Alors, c'est signé, c'est très majoritairement masculin, mais c'est signé par des personnes qui ont des très gros postes, c'est des scientifiques et tout ça, et qui n'ont juste toujours pas compris que ce n'est pas comme ça que ça peut marcher, en fait. Certainement pas. Parce que, tout simplement, quand on regarde la surpopulation, bah, en fait, le meilleur moyen, c'est vraiment les idiots utiles du capitalisme, quoi. C'est le meilleur moyen de ne pas regarder la surconsommation, de ne pas regarder le fait qu'on a des empreintes carbone qui ne sont pas les mêmes selon les pays,
Et puis c'est en plus avec des fonds racistes, hein, parce que évidemment qui ont pointe du doigt quand on dit surpopulation, c'est rarement l'Europe. Je m'écarte complètement, mais voilà, bref, je pense qu'il y a une complexité dans l'écologie comme dans le féminisme, et c'est important de l'assumer, enfin voilà, c'est normal. Et d'ailleurs, le point de départ de mon livre, c'était justement que j'avais l'impression qu'il y avait... c'est le moment un peu où l'écologie devient la mode en France, il y a quelques années, c'était juste un peu au moment des marches climat, enfin... Il y a toute cette prise de conscience, et tant mieux parce qu'il est temps. Et c'est aussi un moment où le féminisme est à la mode en France. Mes toutes premières années de militantisme, dans les années 2009-2010, je suis pas si vieille, mais c'est au moment où on a créé Oser le féminisme. Enfin, le titre, le nom de cette association dit tout. C'est que même on n'osait pas se dire féministe en 2009. Bon, bah, ça a vraiment progressé en France. Mais du coup... Quand je dis que ça devient la mode, c'est que il y a aussi un vrai risque de greenwashing du côté de l'écologie et de féminist washing du côté du féminisme. Je reviens sur l'exemple de Marlène Schiappa, c'est exactement ça. Une dépolitisation à la fois de l'écologie et du féminisme. Donc dans l'écologie, c'est l'écologie des petits gestes individuels qu'on connaît bien dans les campagnes de sensibilisation du gouvernement, qui nous disent, et qu'on a beaucoup là en ce moment dans la politique de sobriété, dans les plans entre guillemets, le plan de sobriété du gouvernement qui nous incite à faire, si ça, ça, baisser le chauffage, à mettre un pull col roulé et tout ça. C'est pas de l'écologie. C'est vraiment pas de l'écologie. Et quand on nous fait le coup des couches lavables, je suis vachement dedans en ce moment, je reçois des pubs à la maison pour des couches lavables. Bon, bah ouais, je regarde sérieusement le truc, hein, parce que j'aimerais bien... En fait, je suis plus intéressée par les couches compostables, qui sont en train d'être expérimentées par une super association, notamment dans les municipalités de Bordeaux et de Poitiers. Je dis ça, c'est pas du tout parce que c'est des mairies écolo, mais quand même. Et c'est pas encore expérimenté à Poitiers, alors je rêverais de pouvoir mettre la couche compostable dans le compost parisien, mais c'est pas encore fait. Du coup, j'ose pas le faire parce qu'on nous dit de mettre que des chiures de fruits et de légumes. Il faudrait que j'en discute, que je contacte la mairie un jour pour avoir ces discussions, parce que le jour où ils vont voir des couches arriver dans le compost municipal, ça risque de tout faire plomber. Mais du coup, voilà, c'est typique, c'est qu'en fait, les couches lavables, il faut pas se leurrer. Enfin, aujourd'hui, les femmes, elles effectuent les deux tiers des tâches domestiques en France. Je ne connais pas les chiffres dans les pays d'Amérique du Sud. Mais voilà, donc c'est plus de temps de travail gratuit effectué par des femmes. Donc, ce n'est pas non plus du féminisme, ni d'écologie, ni du féminisme. Et donc, enfin voilà, il faut avoir une discussion sérieuse sur ce que c'est l'écologie et ce que c'est le féminisme, et surtout repolitiser les deux si on veut arriver à pas juste porter un t-shirt qui dit « je suis écoféministe ». Ouais. Je vais vous remener vers la question de l'imperialisme que vous aviez. Ouais, hyper compliqué. mais parce que j'avais, à une toute autre échelle et en partant un peu de ce que vous venez de dire, j'avais été très intéressée par la façon dont vous vous attaquez à la culpabilisation liée voilà, à l'écologie des petits gestes ou. C'est mal si on ne porte pas un col roulé ou si on utilise des couches jetables, qui fait finalement reposer la question de l'écologie sur le fait de sauver la planète sur les individus, avec une pensée très néolibérale, très micro-économiste. Et est-ce que on peut penser cela à une plus grande échelle? Entre les nords et les suds, dans quelle mesure on peut culpabiliser les pays en développement de ne pas vouloir ou ne pas pouvoir respecter les objectifs en matière climatique? On a des très bons exemples cette semaine avec la COP27. Il y a eu un petit florilège quand même. Justement des co-impérialismes. Après, ce que je disais sur, d'abord avant de parler de la COP, ce que je disais sur les partis, les antinatalistes et les partisans du contrôle des naissances, pour moi c'est clairement de l'impérialisme que, et
avec des fonds racistes, vraiment, que de dire ça. Parce que vraiment, c'est se dédouaner, se dire, c'est pas nous qui polluons, c'est les Chinois, en gros, les Africains. Et puis, on va leur envoyer des préservatifs et ça sauvera la planète. Enfin, en gros, c'est... Et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai travaillé depuis beaucoup, là, depuis une dizaine d'années, dans des ONG qui, de défense des droits sexuels et reproductifs, qui, justement, travaillent dans ce domaine-là sans cette approche-là. Mais on sait que cette approche-là, elle est présente notamment de la part du gouvernement américain de façon très très forte dans l'idéologie initiale, quoi. Donc il y a ça, et c'est vraiment pour ne pas regarder les vraies raisons et les vraies responsabilités. Et là, ce qu'on vit en ce moment, enfin ce qu'ils vivent en ce moment en Égypte à la COP 27 avec le débat qui a été imposé vraiment. Enfin, par les pays du Sud et les pays les plus vulnérables sur les pertes et dommages, il est très intéressant parce que, enfin, on passe notre temps à se reposer la question de qui est responsable et donc qui doit payer. Et nous, qui sommes les premiers responsables historiques, on refuse encore, enfin, la France refuse encore de parler de dette climatique et de pertes et dommages et en fait de payer cette dette. C'est tout simplement, nous avons été les premiers pollueurs, pas juste sur le territoire français. Ça, c'est ce qu'on oublie aussi régulièrement de dire, c'est qu'avec nos importations, on importe on a une part de notre empreinte carbone qui est importée, qui est simplement en fait des activités, des productions qui sont dans d'autres pays. Mais alors, on peut penser à la production de viande ou de soja. Au Brésil, par exemple, mais qui sont importés en France et donc qu'on oublie de compter comme les nôtres. Et puis, on oublie aussi un tout petit peu de parler du colonialisme, du fait qu'on a été un empire colonial et qu'on a été les premiers, en fait, à contribuer. Enfin, en fait, on a été même les fondateurs de cette économie fondée sur une spécialisation des pays, sur de la monoproduction, de la monoculture, et que du coup... Bah oui, en fait, on se retrouve avec un commerce international très, très fort parce qu'il y a un système d'import-export qui a été mis en place par nous-mêmes. Donc, à un moment donné, c'est pas étonnant qu'on se retrouve dans cette situation et que ça soit d'autres qui soient aujourd'hui en incapacité de faire autrement. Donc, oui, on est dans une situation, du coup, aujourd'hui, un peu d'impérialisme quand on dit aux autres pays de faire ce que nous, on a refusé de faire, très clairement. Encore plus quand il y a eu des débats un petit peu, notamment la semaine dernière, qui disaient oui, mais regardez, nous en fait on consomme assez peu, on émet assez peu de CO2, nous la France, alors que regardez les États-Unis, la Chine, finalement les principaux responsables aujourd'hui c'est les autres. Non, en fait c'est pas vrai. on a une responsabilité historique, il faut regarder aussi notre empreinte individuelle, justement à l'échelle au niveau de individu, enfin, ce que ça donne par habitant, etc. Ceci étant dit, moi, je me suis pas mal posé la question, et notamment à la fin du livre, sur qu'est-ce que ça pourrait être une politique étrangère qui est inspirée par les principes écoféministes. Imaginons, nous sommes dans une société écolo, c'est-à-dire la France fait ce qu'elle dit aux autres de faire. Donc, la France est nickel, elle est sobre, elle est féminine, enfin, elle développe vraiment des politiques d'égalité femmes-hommes, et on ne peut pas lui reprocher de dire aux autres, de dire au Brésil d'arrêter de déforester l'Amazonie, parce que en France, tout est nickel. Donc, imaginez ça. Là, peut-être, on aurait déjà les moyens de dire quelque chose aux autres, puisque nous, on fait la part du travail, donc les autres, peut-être, on peut les inciter à faire leur part aussi. Mais même là, en fait, comment est-ce qu'on fait ? Et l'exemple de l'Amazonie, moi, il me taraude beaucoup parce qu'en fait, on voit bien à quel point nous sommes interdépendants aujourd'hui à l'échelle de la planète, et on l'a jamais été autant, en fait. Et donc, cette logique de rapport de puissance, des puissances nucléaires qui sont capables de s'autodétruire, etc., tout ça, et dans des pays qui se veulent souverains. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la souveraineté ? Qu'est-ce que ça veut dire être souverain quand on est à ce point interdépendant ?
Je pense que les écoféministes ont des choses à apprendre aussi, en fait, aux diplomates, aux personnes qui font les politiques de défense, etc. Parce que par exemple, la politique étrangère, elle est fondée sur le principe de domination, en fait. Enfin, ce principe de politique de puissance, être plus puissant et donc être en capacité de dominer les autres. Et donc, ça permet à ce que à peu près tout le monde ça soit autogéré comme ça. Bon, ouais. C'est très, très... simpliste comme façon de le présenter, mais le principe de domination qui fait qu'on a besoin d'avoir le plus gros PIB, la plus grosse population et les plus gros budgets militaires pour être plus fort que les autres. Dans l'écoféminisme, ce qu'on dit, c'est en fait, on n'a pas la même définition du pouvoir. Le pouvoir, c'est pas la domination sur l'autre, c'est pas le pouvoir sur l'autre, c'est le pouvoir avec. C'est le pouvoir en soi, c'est le pouvoir de faire, et c'est en particulier le pouvoir avec. Et là, je trouve que ça nous apprend des choses sur cette idée d'interdépendance qui est en fait la réalité du système international aujourd'hui. Et je ne dis pas que j'ai des réponses à ça, parce que en fait, c'est tellement révolutionnaire de construire une politique étrangère écoféministe que j'ai du mal à voir par quoi commencer. J'ai listé quelques éléments. Et puis que c'est de la politique fiction, hein, encore une fois, parce que si on n'est pas capable soi-même de faire ce qu'on demande aux autres, je ne vois pas comment on fait une diplomatie ou même des négociations internationales intéressantes. C'est impossible. Mais par contre, il y a vraiment besoin de s'emparer des principes écoféministes. Et donc, c'est par exemple... en soutenant fortement les défenseuses et les défenseurs des droits humains et de l'environnement qui en fait se battent dans leur propre pays. Donc, si je reste sur l'Amazonie, ça va être les personnes qui se battent en Amazonie, dans la forêt, pour leur propre territoire, mais ça va être le cas aussi dans plein d'autres endroits, dans des zones qui sont accaparées pour des projets extractifs, par exemple. Parfois par des entreprises françaises au passage, donc c'est pareil, on a quand même un rôle à jouer, direct, pas juste indirect. Donc c'est en fait accepter qu'on a une interdépendance et aussi accepter qu'on a un rôle à jouer en solidarité. Et pour moi, c'est déjà un élément super important, mais il y en a plein plein d'autres. Enfin, il y a sur le commerce des tas de choses à dire. Pour changer tout simplement nous-mêmes en fait les règles qu'on impose à nos propres entreprises, déjà ça changerait un peu la face du monde parce que on sait que nos entreprises détruisent la planète partout dans le monde en s'attaquant aux droits humains dans pas mal d'endroits donc en fait il y a une grosse part des choses qui peuvent être gérées directement par nos propres décisions en France, en Europe, sur ce qui nous concerne nous, avant d'aller demander à d'autres de faire quoi que ce soit. Quoi. Je pense qu'on peut faire un... Ça va pour vous ? On fait encore une petite question et après on... Ouais. Oui, justement, vous parliez des cas, des revendications locales liées à l'environnement. Et j'ai toujours été, toujours frappé l'écho qu'avait en Europe un certain nombre de cas, notamment d'assassinats de leaders sociaux en Amérique latine. Ouais. Vous parlez, je pense, du cas de Roberta Cáceres, qui est un peu le plus connu. Ce sont souvent des personnes qui sont issues des communautés originaires. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir là-dessus. D'une part, comment comprendre ce grand écho que reçoivent ces cas en Europe, parce que c'est assez frappant et ils sont souvent liés à une personne, voire au meurtre de cette personne, donc quelque chose de presque sensationnaliste, je trouve parfois, très lié à la défense ou à la protection d'un écosystème en particulier, sans s'interroger fondamentalement sur l'écologie, le phénomène de l'écologie en Amérique latine.
Et est-ce qu'il y a, et je pense que c'est vers là que tendait votre dernière intervention, est-ce qu'il y a voilà, une possibilité là-dedans, dans le fait que, bah, d'ailleurs, le féminisme latino-américain a le défi d'être plurinational et postcolonial, de prendre en compte les voix des peuples autochtones que dont une certaine pensée développementaliste essaye de faire fi. Et est-ce que du coup c'est comment dire, une porte d'entrée assez intéressante pour l'écologie, en cela qu'elle doit d'emblée prendre en compte cette question postcoloniale? Bah, d'abord, j'ai quand même le sentiment que on est tout autant, on se mobilise tout autant quand ça arrive en France. Les personnes qui sont tuées pour s'être mobilisées sur des luttes écolo, ça arrive aussi malheureusement en France, ça arrive en Europe. Des personnes qui se retrouvent en garde à vue, là pour le coup, bon, effectivement, ça arrive beaucoup moins souvent en France. Par contre, des personnes en garde à vue, ça arrive beaucoup plus souvent. Des personnes voilà, il y a beaucoup de, il y a beaucoup aujourd'hui de luttes écolo sur le terrain, dans le territoire français et européen, qui passent par les mêmes méthodes, et notamment par qui sont tout autant réprimées. Et si ça nous marque autant, je pense que c'est parce que pour beaucoup de gens, l'écologie, c'est un truc de bourgeois. C'est un truc de bourgeois c'est théorique chez eux, qui écrivent des bouquins. Bon, ben voilà, ouais, de mon côté, c'est vrai que c'est le cas. Mais c'est aussi quand on voit des personnes qui en viennent à prendre de tels risques en connaissance de cause souvent, et qui sont à ce point réprimées, c'est vraiment la meilleure façon d'ouvrir les yeux sur le fait qu'on est dans une situation de guerre dans laquelle ces personnes qui défendent pour nous-mêmes, pour tout le monde, pour la planète, leurs propres conditions de vie, mais du coup aussi les nôtres, sont des guerriers, des guerrières, et n'ont pas d'autre choix que de faire ça en plus. Enfin, donc je pense que c'est simplement que ça, c'est fondamental pour la prise de conscience, et je crois que ça marque profondément chacun et chacune d'entre nous à chaque fois qu'on entend des drames comme ça. Après, moi, dans le livre, j'ai en plus pointé plutôt les aspects genrés de cette violence, notamment l'utilisation du viol et des violences sexuelles contre les défenseuses de l'environnement. Le fait que ce n'est pas juste une violence contre des hommes, parce qu'il y a aussi un peu ce stéréotype qu'il n'y a que des hommes qui vont sur les terrains de lutte, mais en fait, c'est comme toutes les guerres, quoi. Il y a aussi beaucoup de femmes, et de plus en plus, qui sont réprimées différemment, justement, parce que c'est des femmes. Et là-dedans, je veux dire, ça nous rappelle aussi qu'on est... Je dis souvent dans le livre, faut se rappeler qu'on a des corps, que c'est en fait c'est physique tout ça, et c'est physique à la fois dans les impacts du changement climatique, dans les impacts des pollutions, dans les impacts de l'appauvrissement de nos vies, etc. On le sent physiquement. En fait, c'est aussi des luttes qui passent, qui sont physiques aussi, quoi. C'est pas juste des débats théoriques, c'est certainement pas des débats bourgeois. C'est du concret, du quotidien, et je trouve que c'est aussi ce qu'apportent beaucoup d'écoféministes qui en fait il y a beaucoup d'écoféministes de cours, dans différents pays. Je trouve l'écoféminisme a cette force qui est de justement pas être que dans la théorie, contrairement à pas mal d'autres courants féministes. Là, c'est vraiment fondé sur la pratique, sur l'action. Et de la pratique, on en vient à théoriser ce qu'on est en train de faire. La façon dont on conçoit, dont on va concevoir le lien direct entre les violences domestiques subies dans le foyer et puis les violences étatiques
subi parce qu'on s'est mobilisé contre contre une mine, un projet extractif ou bien une industrie polluante mise à côté de chez soi, etc. Donc, enfin, le lien entre tous ces aspects-là de nos quotidiens, il est théorisé finalement vraiment à partir du terrain par les écoféministes. Et je trouve que ça nous sort justement de ce côté un peu trop parfois théorique ou éloigné des réalités que les gens ont en tête quand ils pensent à l'écologie, quoi. Par contre, du coup, j'ai oublié la question. J'ai pas du tout répondu à la question. Pour toi, c'est bon. Oui, bien. Alors, c'est à vous qu'on se tourne maintenant. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires que vous voulez faire ouais. Voilà, vraiment merci beaucoup à vous deux pour cette discussion très intéressante et à toi Mélissa aussi de l'avoir organisée. J'ai moins une question qu'un commentaire ou un ajout. Je vais parler de la Colombie parce que bon, je suis de là-bas donc ça aide, et aussi parce qu'on a eu des élections très importantes il y a quelques mois et la gauche est arrivée au pouvoir pour la première fois de l'histoire du pays. Et Le président a été élu avec sa formule vice-présidentielle, et cette victoire s'est jouée sur sa formule vice-présidentielle, qui est une femme qui s'appelle Francia Márquez, qui est la première vice-présidente noire du pays et qui est une militante environnementaliste, écologiste depuis très longtemps, également une victime de violences sexuelles et des violences de l'histoire de guerre civile du pays. En fait, j'en parle parce que, bon, à cause de ces histoires, de tout ce que vous avez dit à propos d'une politique écoféministe, aussi ce que tu disais, Julie, au départ des gens de notre âge ou même plus âgés qui en Amérique latine pourraient te dire oui, mais en fait, le cours du dollar s'envole et on a une inflation à plus de 30%, donc peut-être qu'en fait, l'écologie, on s'en fiche un peu. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça très intéressant, en plus d'être émouvant, ce moment de victoire de la gauche en Colombie, parce que ça montrait aussi qu'il y a, je pense, l'arrivée sur la scène politique institutionnelle et officielle dans certains pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine en général peut-être, d'un mouvement de revendication qui articule des revendications raciales ou ethniques et donc qui s'inscrivent dans des schémas de domination coloniaux, avec des revendications proprement féministes qui donc lissent de ce dont vous parliez, du territoire corps et du territoire terre et du lien entre les deux, et de revendications environnementales qui sont très liées aussi au fait que je pense que encore en Amérique latine, on a beaucoup de, disons que les effets de la crise environnementale se ressentent encore beaucoup au niveau du territoire et de la territorialisation à travers des projets extractifs, comme vous le disiez, alors que c'est quelque chose, peut-être que, et là vous me direz si vous êtes en désaccord avec moi, j'ai l'impression qu'on ressent un peu moins ça en Europe, parce que même si les forêts brûlent en fait, et si ce sont nos forêts qui brûlent, on continue à parler de la crise climatique comme quelque chose qui se passe, je ne sais pas moi, dans l'air ou au niveau global, et pas très concrètement au seuil de notre porte ou dans notre jardin ou dans notre communauté. Donc, bon, je suis allée un peu partout, mais voilà. Mais c'est super, très intéressant, merci. En fait, c'est un peu ma crainte qu'on ait à ce point appauvri nos vies qu'on ne se rende même plus compte. Alors, surtout quand on vit en ville, il y a une façon de se rendre compte et qui, pour moi, je pense, est un des éléments qui font que le féminisme peut nous aider, c'est la pollution de l'air, la pollution des produits chimiques. Je parle pas mal des perturbateurs endocriniens dans la partie, le premier chapitre du livre, parce que parce qu'il y a, pour le coup, les impacts sont vraiment très genrés. Il y a notamment des impacts des plastiques, des produits chimiques et enfin voilà, de finalement plein de choses qu'on touche au quotidien, avec lesquelles on vit au quotidien, qui transforment nos cycles reproductifs, qui transforment totalement
notre fertilité notamment, qui contribue aux fausses couches. Alors, y a des impacts, par exemple, il y a eu des études qui ont été menées dans des villes très polluées qui montrent qu'au moment des pics de pollution, il y a une augmentation des fausses couches dans ces villes. C'est des études qui ont été faites en Chine et aux États-Unis. Ça n'a pas été fait en France. Heureusement, en Europe, on a des niveaux de pollution de l'air. Mais je rappelle à tout le monde que ces niveaux sont régulièrement, quasiment tout le temps, dépassés en France. Donc, en fait, on est dans un espèce de déni de l'impact des pollutions sur nos vies. Et là, c'est un autre aspect de la crise écologique qui effectivement pas le niveau des océans, pas la forêt qui brûle, mais qui est juste en fait un appauvrissement de nos vies, une mise en danger en fait individuelle, un impact sur notre santé qui va exploser, complètement exploser, et qu'aujourd'hui on ne sait pas gérer. Parce qu'on n'a pas les politiques de santé qui sont à la hauteur pour les gérer. Mais surtout, c'est une abdication de notre liberté de choisir des vraies vies, en fait. Enfin, on va finir par être dans des... avoir à ce point appauvri nos vies quotidiennes déjà, on a bien vu pendant 2 ans le Covid, ce que c'était d'avoir le masque. Mais est-ce qu'on a envie aussi de porter... Moi, maintenant, depuis que je suis enceinte, je porte le masque dans le métro parce qu'il y a une pollution beaucoup plus forte encore dans le métro que dans la rue. Et puis, sans compter les pics de pollution au premier trimestre, je ne vous dis pas, comme j'étais angoissée par les fausses couches. Enfin, à un moment... et tout ça est catalogué sous le terme de éco-anxiété. Alors oui, moi on me dit je suis éco-anxieuse, je vous dis oui merci, ok. Mais en fait, c'est un peu une façon de dire démerde-toi ma fille, t'as des problèmes psy, quoi. Bah non, c'est pareil, c'est toujours culpabiliser, renvoyer sur l'individuel. En fait, les écolos seraient que des éco-anxieux qui sont incapables de gérer la complexité de nos vies au XXIe siècle, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment la conséquence de choix politiques. Et juste, pour moi, c'est là où il peut y avoir une vraie prise de conscience, en fait. C'est là où, le jour où on comprend que tout ça, c'est des impacts quotidiens, peut-être qu'on va un peu plus se réveiller que quand on est concerné par la montée des eaux ou par les incendies, quoi. Et donc, effectivement, des personnes qui sont directement impactées par... Parce qu'il y a un projet extractif dans leur environnement immédiat, peut-être ont une prise de conscience plus rapide que nous. Peut-être. Donc, c'est... Je pense qu'il faut vraiment arriver à trouver des... Enfin, on passe notre temps à essayer de le faire chez les écolos, hein, de trouver des façons de rapprocher l'écologie de nos vies quotidiennes, de se rappeler qu'en fait, de développer une forme d'écologie sensible. Je pense qu'il y a, et c'est pour ça que je parle beaucoup du corps, c'est que si on utilise nos 5 sens, en fait, quand on pense à l'écologie, c'est que c'est pas juste théorique, que c'est effectivement pas une affaire de CO2 théorique, de graphes, de machin, mais que c'est une affaire de regardons nos environnements quotidiens, ce qu'on mange, ce qu'on nous impose de manger, hein, parce qu'on n'a pas les moyens de manger sain. Enfin, je ne l'ai même pas développé, mais c'est l'exemple le plus évident, c'est ce qu'on mange. Ce dilemme dont je parle aussi, parce qu'il est beaucoup un dilemme vécu par des femmes, puisque ce sont encore une fois majoritairement des femmes qui s'occupent de la vie quotidienne et notamment de l'alimentation de leurs enfants encore en France. Ce dilemme du quotidien entre mettre plus d'argent dans une alimentation bio pour bien nourrir son enfant ou parce qu'on n'en a pas les moyens, mettre moins d'argent en connaissant les impacts que ça peut avoir sur la santé de leur enfant, c'est juste pas possible, quoi. Donc c'est des petites choses comme ça, on ne dit pas que c'est de l'écologie vraiment, c'est de la vie quotidienne, ça va être l'écologie des petits gestes, mais en fait c'est là où il y a quelque chose à repolitiser pour passer le cap, je pense, de... Parce que je voulais te répondre tout à l'heure, mais en fait, on est encore minoritaire en France aussi, quoi. L'écologie politique en France, aujourd'hui, est minoritaire. On a la chance d'avoir
deux groupes, un à l'Assemblée nationale, un au Sénat, et puis un troisième au Parlement européen, mais on est minoritaire, on perd quasiment tous les votes. Enfin, à un moment donné, faut pas l'oublier non plus. C'est que c'est, alors évidemment, oui, les partis verts en Amérique du Sud sont sans doute plus en galère, beaucoup plus en galère que nous. On a la chance d'avoir gagné des villes qui nous permettent d'expérimenter ce que pourrait être une politique écolo localement. Mais en fait, au niveau national, ça ne se passe beaucoup, quoi. Voilà, faut aussi, malheureusement, c'est pas gagné-gagné en France, quoi. Tu veux répondre à toute la chose ? Non, je pense qu'on peut. Ah oui, Stéphanie, bonjour. Pardon, je t'avais pas vu. Merci beaucoup à vous deux. Moi, j'ai une petite question par rapport à la politisation de l'écologie. En fait, comment on peut faire pour que... Parce qu'en fait, on a l'impression, par le fait que ça soit politisé, qu'on doit choisir oui ou non. Alors que du coup, aujourd'hui, dans un parti, il y a un ensemble de sujets. Et parfois, il y a des choix qui se font. Si on est d'accord avec l'ensemble, avec la majeure partie des sujets, etc. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour que, en fait, ce sujet ou ces sujets, en tout cas, de genre, d'égalité de genre, de domination, de changer le rapport de domination, que ce soit sur la nature ou sur les hommes, quels qu'ils soient, soit quelque chose qui soit de l'ordre de la plus constitutionnel et qui ne soit pas constamment remis en cause, en fait, et dont on ne soit pas constamment obligé de devoir faire un choix politique. En tout cas lors d'élections, etc. Comment est-ce que ça peut devenir quelque chose qui soit universel, quoi. Je pense que c'est tout simplement en débattant politiquement, c'est-à-dire en se donnant les moyens pour avoir ces débats dans la société. Et c'est assez flagrant que ces débats n'existent pas, en fait. Justement, qu'on a uniquement les élections pour s'exprimer sur ces sujets. Sur par exemple, là, le plan de sobriété présenté par le gouvernement dont on parlait tout à l'heure, ça fait partie des sujets qui devraient être débattus politiquement. Parce que la sobriété, c'est pas individuel, on est impuissant, on n'a pas la capacité de choisir... notre propre sobriété, c'est collectif, et donc c'est des choix politiques, et c'est des choix proprement vraiment là, à la fois écolo et féministe. Et ben, il faut qu'il y ait des débats pour ça, et ces débats ils doivent exister dans la société et pas juste pendant les élections. Il doit y en avoir, de la même façon que là en ce moment il y a un débat sur les nouveaux réacteurs nucléaires. Nous on dit il faut un débat sur l'ensemble de la politique énergétique. C'est pas un vrai débat sinon, en fait, si on n'a pas toutes les options sur la table et qu'on ne peut pas en débattre en tant que société, tout simplement. Et c'est pour ça que pour moi c'est difficile. Je pense pas qu'il puisse y avoir une écologie sans un vrai vrai approfondissement de la démocratie. Parce que justement, c'est des sujets qui sont, enfin, c'est des tels changements de vie à l'individuel et collectif qui vont s'imposer à nous, et en fait chaque année un peu plus radicalement, puisqu'on n'anticipe pas, que ces changements-là ils doivent pouvoir être débattus, et parmi les façons de débattre, il faut que ça passe par des changements institutionnels, il faut qu'il y ait une vraie transformation, et en fait qu'on entre dans ce qui serait une vraie démocratie. C'est-à-dire où c'est pas le gouvernement qui met à l'ordre du jour tous les sujets qu'il veut mettre à l'ordre du jour, et que l'Assemblée peut rien mettre à l'ordre du jour. C'est-à-dire que le CESE, qui aujourd'hui représente la société civile organisée, puisse aussi représenter, intégrer des citoyens tirés au sort, par exemple, citoyens et citoyennes, que des choses, des expériences aussi utiles que la Convention citoyenne pour le climat nous inspire pour en tirer des conséquences. C'est-à-dire quand il y a des choses qui sont proposées et qu'on dit qu'on va les adopter, on les adopte, ou si on dit pas qu'on va les adopter, dans ce cas on fait des référendums. Enfin voilà, en fait, juste on met en place des nouveaux mécanismes pour pouvoir débattre plus souvent, avoir des vrais débats de société, des vrais débats publics qui sont informés par
par la multitude d'experts et d'expertes, d'associations, etc., qui sont aujourd'hui en capacité d'informer, en se donnant aussi le temps, parce qu'une vraie démocratie, c'est une démocratie dans laquelle on a le temps de participer à tout ça. Et j'en parle beaucoup aussi dans le dernier chapitre du livre. Un des éléments qui font, à mon avis aussi, le problème, c'est qu'on a une démocratie qui est un peu trop masculine, beaucoup trop même. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a un temps plus limité des femmes pour militer, pour les raisons toutes simples dont j'ai parlé quand je parlais de travail domestique et finalement de travail du care supplémentaire par rapport à celui qui est effectué par les hommes, parce que aussi les femmes sont plus représentées dans la partie la plus précaire de la population et donc au moins la possibilité d'aller faire gratuitement un travail politique, et parce que la vie politique est fondée sur le présentéisme, sur beaucoup beaucoup de temps passé dans des multitudes de réunions le soir aux horaires où il faut s'occuper des enfants, le week-end, même la convention citoyenne, hein, c'était pendant le week-end. Donc en fait, il y a plein de choses à revoir aussi si on veut arriver à ce que l'ensemble des voix puissent être entendues. Il y a plein de choses. Et ça, c'est un programme féministe pour le coup. Et il y a pas mal de propositions aussi des féministes pour changer la politique. Qui sera utile pour démocratiser la société et donc tendre aussi pareil vers plus d'écologie. Donc je pourrais tirer comme ça le fil, mais il y a un changement une fois de plus là qui est un peu qui est quasi systémique. Alors on a la chance d'avoir quand même des bases suffisamment fortes de la démocratie en France pour que ça soit simplement des ajouts institutionnels, des modifications donc ils vont jusqu'à changer de république, mais de modèle institutionnel, mais on part d'un peu moins loin que certains pays qui sont déjà extrêmement autoritaires et dans lesquels c'est quand même un peu plus compliqué de mettre en place ce type de changement. Est-ce qu'il vous reste des questions ou vous voulez qu'on... On passe à la partie plus improvisée, à chercher entre nous. Ben, merci à vous deux, à Julia et à Charlotte. Et c'est, voilà, je vous invite à lire les livres. C'est vrai qu'il est pas trop épais, je dirais assez bref, et que néanmoins, balaye plusieurs aspects et tire quand même quelques pistes intéressantes pour repenser tout. Depuis les corps, depuis les soins, depuis l'humain, comme vraiment un environnement où on va devoir survivre sans tout le monde. Et entre le sud et le nord, ça, on pourrait les rajouter pour la réflexion. Merci. Merci beaucoup. Merci.